C'est d'avoir des idées assez claires par rapport à comment on veut jouer, être sûr que les joueurs comprennent bien leur rôle et responsabilité et continuer à le travailler et à répéter. La répétition des exercices, la répétition des entraînements, la répétition des de comment on veut développer le jeu quand on est dans notre moitié de terrain, comment nous on veut pénétrer dans le camp adverse. C'est la répétition des entraînements, des exercices qui vont faire que les joueurs vont être de mieux en mieux. Des automatismes. Et puis moi, mon rôle aussi comme entraîneur, c'est de trouver les bons automatismes sur le terrain entre les joueurs de couloir, entre les milieux de terrain, pour trouver ces bonnes relations qui vont nous permettre d'être beaucoup plus dangereux sur cette phase offensive ou d'être un peu plus costaud sur cette phase défensive. Lorsque je suis arrivé, j'avais espoir qu'on allait garder tous les joueurs. Et durant ce mercato, il y a des choses qui ont changé. Et puis après, oui, ça change. Les joueurs qui sont avec ce manque d'expérience, qui sont peut-être pas prêts à jouer maintenant, on est obligé de les faire jouer justement peut-être un peu plus tôt que prévu. Mais globalement, au niveau comptable, oui, je suis satisfait. Au niveau du jeu développé, j'aimerais développer beaucoup plus de jeux, ça c'est sûr.